Samouraï magicien. Bah Dark Vador quoi. Je suis Dark Vador. I am Lord Vader. Non ! Mais nique ta mère ! Mais mon cheval ! Oh, vous me faites chier. Vous avez voulu pranker Dark Vador ? Ah, vous êtes bien content d'avoir pranké Dark Vador maintenant, hein ? De la Siofra. Non mais attends, là j'arrive dans Dark Souls là. Ouh là 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 là, where am I? Où est-ce que je me retrouve là? Oh là là, oh le bait. Oh le sale bait, il était tout seul de loin, ils m'ont fait une From Software, putain. Oh là là. Qu'est-ce qui m'oblige à les tuer? Absolument rien. Tu conseilles Vampire Survivor ou une barquette de frites? Bah dans les deux cas c'est mauvais pour ta santé, donc choisis. C'est grogne, je sais pas où je vais. On peut lire quelque chose là-dessus? Allumer la flamme. Allumer. Ok, on a allumé la flamme. Alors, j'imagine qu'il y a plusieurs flammes à allumer dans tout le world là. La maman des poissons. Elle est bien gentille. Moi je la préfère avec du citron. Là le bazar. Qu'est-ce que c'est que ce bazar encore? J'ai peur parce qu'il va se réveiller en faisant peur aux gens et tout. Enfin je tape dedans hein. Soit disant, il bouge pas. Peut-être j'allume tous les feux et Jean-Michel il se réveille quoi. Ok donc trouvons des feux. Oh let's go! Allumer la flamme. Quelque part du pouvoir émane des cornes d'une dépouille. Ok, bah je sais où faut aller. Mais attendez, avant de faire ça, quelque chose à vérifier là. C'est quoi ce truc? Le soldat draconide. Oh là là, le boss. Oh, je l'ai démonté les potes. Quel beau combat, hein. Bon, il est temps de se faire casser la gueule, j'imagine. Ah, peut-être pas, en vrai. Hein. Ça se trouve, c'était juste une énigme. Hein. L'esprit ancestral. Oh là là. Allez, hein. Au revoir. Ouvre une porte verrouillée dans le château de Voilorage. Oui, je l'ai jamais utilisé, cette clé. Il y a une porte qu'on n'a pas ouverte, du coup. Ouais, c'est ça qui me fait tiquer aussi. Vous savez quoi? Hey. Voilà, merci. Merci à toutes et tous. Ok, donc ça y est, je suis enfin là où je voulais aller, quoi. Ouais, il y a une grande échelle, là. Hein. Elle est bien, cette échelle, là. On kiffe, là. On s'amuse, là. À moins que je puisse faire le tour par ici. Oh, 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 ça y est. Ça sent vraiment les deux pommes. Les deux pommes et la fleur rare, quoi. Ça pue un peu ça, mais bon. Nice prank. Tout ça pour une plante. On a vraiment fait tout ça pour une plante, hein. Putain, j'ai envie de péter un plomb, quoi. Donc, soi-disant qu'il y a le papounet dans le château, là. Dans ce château-là, en fait, on n'a jamais réussi à aller dedans. Ah, le problème, c'est qu'il y a vraiment zéro endroit où rentrer, quoi. Donc, pour trouver le papounet et lui remettre la lettre, il va falloir faire preuve d'originalité, quoi. Ah, là, je crois que j'y suis jamais allé, en vrai. Là-bas, tout est neuf, tout est sauvage. Je suis 100% jamais venu ici, j'avais pas vu l'échelle. Ah bah voilà, putain, on n'a pas fait ça hier. Voilà un visage qui m'est inconnu. Je m'appelle Edgar, je suis le gardien de ce château, habilité par le seigneur Godric en personne. Donner la lettre d'Irina. De la part d'Irina, je vois. Merci, je vous suis redevable. Je ne puis partir pour l'instant. Je me dois de rester même si le château devait tomber. Pour veiller à ce que la précieuse épée de Van Hurlant ne tombe pas entre de mauvaises mains. Quelle épée? Quelle épée de Hurlevent, là? Quoi? Elle est où, l'épée? Quelle épée? Constate pas d'épée, mec. Il y avait pas d'épée. Je suis allé tuer le boss et tout. J'ai jamais... Peut-être j'ai eu une épée sur le boss. Oh! Oh! L'épée de Hurlevent.
que de la merde. Transmettez le message à Irina, si vous la voyez, dites-lui que son père viendra la chercher quand il aura accompli son devoir. Et là, c'est le vrai problème, c'est que Irina, je me rappelle pas où je l'ai rencontrée, quoi. Bon, je vais dire que son père a eu le message, mais ne rentrera pas. Pour moi, elle était là, ou à quelque part par là, là, dans le canyon, là. Je crois que mes souvenirs sont bons. Ah bah yes! Elle est morte! Je crois que c'est la good ending, en vrai. Je vais essayer d'aller lui dire... Genre, ta fille est morte. Moi, je pense qu'il va me donner l'épée. Il va me dire, oh, je n'ai plus de raison d'être ici. Ma fille est morte. J'aurais dû y aller plus tôt. Tenez, voici l'épée. Je suis votre obligé pour avoir protégé l'épée de ces créatures déchues. Plus aucun devoir ne me lie. Quand j'aurai sauvé Irena, je passerai le restant de mes jours à ses côtés. Elle est morte! La vie de ma mère. Ok. Tu vas rejoindre ta fille. Voilà! Halbarde de chevalier banni plus 8. Elle était où l'épée? Elle était où l'épée? Je suis mort. Ah ouais. Ah non, c'est gagné. Quel plaisir de l'avoir first try en vrai. On vient de first try, un boss un peu chaud là. En vrai, ça fait bien plaisir, c'est la première fois qu'on est dans la zone là. On a été assez solide honnêtement, on n'a pas... Enfin, si vous avez vu le fight en arrivant là, je pas trop tremblé. C'est facile en vrai. Je le trouve un peu simple en vrai. Hein. C'est quand même pas un boss, enfin c'est un trash mob quoi, c'est pour ça qu'on l'a first try. What the fuck is this? Ouais. Et ça fait que lag. J-pep de lui. J-pep de lui! Chill bro, il est pire que Magritte là. Il arrête jamais. Mais Théma, mais Théma! Mais putain, mais c'est le boss de fin en fait. J'avoue que genre Godric c'était plus simple que ça en fait. Je suis mort. Ah ouais. Ah non, c'est gagné. Quel plaisir de l'avoir first try, hein, ouais. Académie de Raya Lucaria. Ah bah ça y est, on est dans Bloodborne, c'est officiel. Il manque plus que ça lag, et c'est bon, on est dedans. Le jeu, il a des gros soucis, Bloodborne. Hein. Ça commence bien, l'Académie, là. Vous avez voulu pranker Dark Vador? Moi aussi, j'ai de la magie. Bah ok, bah je m'en vais alors. Oh les magiciens, je sens qu'ils vont me faire chier. Donnez-moi ça, leur tête, leur vieille tête là. Ta vieille tête de roi Dagobert là. Le bon roi Dagobert a mis sa culotte à l'envers. Casque de chevalier de Caria. Ouh l'armure, ouh la jolie armure en vrai. Bah c'est stylé quoi. Mais est-ce que vraiment j'ai moins de style avec le... En vrai la tête de Diablotin elle est stylée non? Il est stylé mon perso comme ça. En plus, ma roulade est pas... Il tente de se convaincre. Mais arrêtez, regardez-moi ça. Trop stylé. Cringe un peu ceux qui le trouvent moche, là. Le chat est unanime. Quoi, vous aimez pas? Bah, malaise un peu. Couronne de pierre d'éclat de sorcier bicéphale. Oh non. Oh non. Non, mais elle est vraiment pas ouf, celle-là, par contre. Évidemment. Ça me semble assez évident quoi. C'est... Moongrune, chevalier de Caria. Ah bah c'est il a la même armure hein. Sauf que lui il a le bouclier de Caria aussi. What la parade de l'enfer qu'il a? Ça triche. Oh, je le déteste. Waouh, moi je veux ça. Hein. Il a pas gagné de points de vie. Une belle fin de fight, je trouve quand même. Une belle fin pour le chevalier de Caria. Et je dois pas être loin du boss de fin là, à mon avis. Bah. Have fun, hein. Mais je vais pas me battre contre les enfants là. Mais les enfants ils m'envoient du savoir sur la tête. Enfin sauf qu'il y en a qui tombent du plafond quoi. Ah. Oh le bazar.
Oh non, ça sent pas bon. Oh la dingue. M'envoie la lune sur la tête, quoi. Elle a 2 PV par contre, hein. Ah, not cool. Ah putain, j'en étais sûr. Oh, c'est sale, ça. Mais je suis trop con. Pourquoi je fais ça? Les invoques restent pas assez longtemps pour que ce soit un problème. C'est un vogue du dragon maintenant, hein. Au calme, hein. Merde, bah j'ai plus de points de vie, c'est cool. Bah échec et mat en fait, bah ouais, c'est bien, c'est bien. Pendant deux fois elle a pris des coups qui sont jamais, qu'ont jamais connect. Aïe aïe aïe. Quel boss à la con.